Roi. Le siècle a
l'adoration. Il n'y a pas de Dieu que nous puissions adorer. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui nous aime comme toi. Papa. Père. Nous sommes en joie de ce que tu es notre Dieu. Nous sommes en joie de ce que tu es notre Dieu. Que quelqu'un l'adore en ce moment. Merci de ce que tu as dit. Ce matin, nous allons avancer dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la libération. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la délivrance. C'est dans la parole de Dieu que s'opère des miracles. Alléluia. Amen. Dis-y, ce matin, après toi, Jésus, prends-y, n'aie pas ma d'appeler. Le Seigneur Jésus m'a chargé d'un message afin que je le partage avec toi. N'aie pas la telle à ma ou n'aie pas. Si tu peux accepter et recevoir cette parole divine, je le assure. En toi sera tienne. Car tu tout en étant, tu seras libéré. Garder en étant, tu seras délivré. Qui sera guéri? Et de ta route, il y a un cantal. Et de sur quoi? Tu auras la vie. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous y sommes allés tous les postes. Je ne sais ce par quoi tu as passé au cours de la semaine. Vois. Mais confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Amen. Le thème de ce matin nous dit: nous sommes Jésus pour nous croire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Nous sommes le Jésus Christ au Père Kouame. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mieux que nous,
Johannes 5 par l'état vienne et que me vienne. Nous allons lire dans Jean le chapitre 14 et le verset 14. Alléluia. Amen. Johannes 5 par l'état. Jean. État vienne et que me vienne. Le chapitre 14, le verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes bien. Tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ nous parle ainsi. Si Jésus-Christ nous a parlé ainsi, il veut juste nous dire, avec son nom, nous pouvons Amen. Remporter des victoires. Amen. Nous allons encore lire dans Philippiens le chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2. Le verset 9. Là, il est écrit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Bible Abena, Mao, Tchonko, Ike, Ponko, Kata, Tarakona, Apeto, Yesu. Amen. Belle Yesu Christo, Belle Kamea. Closia to age. Amen. Dans la parole de Christ. Bien-aimé en Christ. Ayant Jésus pour. Tu invoques vraiment le nom de Jésus. Ne le nassi papa. Si tu connais la valeur, le prix. Ne le nyakbe. Si tu connais l'importance. Ne le nyamusa ike. Si tu connais la puissance dont ce nom est doté. Ma keple na kiple koya. Tu ne jouerais pas avec ce nom. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui peuvent invoquer ce nom pour remporter des victoires? Quelqu'un peut me dire que constamment il invoque ce nom mais sans avoir de résultat ou de victoire. Si tu n'appartiens pas à Jésus, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas invoquer ce nom et avoir de victoire. Dans le monde, avant de pouvoir implorer une fétiche et pour avoir une certaine victoire de sa part, il faut que tu te lies avec cette fétiche. Il faut que tu entres en une certaine alliance avec la fétiche. Et lorsqu'on entre en alliance avec de pareilles choses, tu auras des pactes à respecter. C'est à lui de te dire si tu veux que cette alliance-là demeure. Il te faut alors respecter les engagements ou les clauses de l'alliance. Quand on parle d'alliance, l'alliance est une chose qui se contracte entre un débiteur et un créancier. Alléluia. Amen. Nous sentons américains, une personne forte et une autre personne faible, ce sont ces deux personnes qui se lient. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez à me décaler pour que l'une des parties ou l'une des personnes puisse bénéficier d'une certaine protection de la part de l'autre. Alléluia. Amen. Et il y a maintenant, et quand on est homme, créature de Dieu sur terre, il y a le type
Et que tu veux que Dieu remporte des victoires pour toi, et de là, tu dois t'efforcer à devenir enfant de Dieu. Mais avant de devenir enfant de Dieu, elle est non, Jésus Christ, alors tu dois prendre le mystère qui consiste au fait que Dieu lui-même s'est incarné en une personne. Dieu a porté chair. Et il dit que la façon dont il a porté sa chair, et qu'il est venu sur terre afin de se sacrifier, de sorte que toi et moi qui étions par le passé des pécheurs, que par son sacrifice nous puissions avoir le salut. Alléluia. Amen. Alors si tu crois en ceci, alors par cela tu obtiens la grâce de devenir enfant de Dieu. Mais pour démontrer que tu crois et que vraiment tu t'es donné à croire à cette œuvre-là, des signes ou des fruits commenceront par paraître en toi. Nombre de personnes disent aujourd'hui être des enfants de Dieu. Mais rien ne démontre qu'en réalité, ils sont des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Et quand on parle d'adoption par Dieu, il faut que nous ayons conscience que c'est une question de puissance. Toute personne qui est sur terre et qui n'a pas de puissance, les sorciers vont te vaincre, la sirène va te vaincre, les fétiches vont te vaincre, les esprits de famille vont te vaincre. De nos jours, tu es dans une certaine oppression. Tu es dans une certaine servitude. Parce que tu es asservi par certains esprits. Alléluia. Amen. Voyez sous les yeux. Mais Jésus t'appelle de croire en lui. Et que tu lui donnes toute ta vie. Et si tu prends cette ferme décision, de renoncer à toute chose, renoncer à ta propre personne, renoncer à ta propre volonté et donner ta vie à Jésus, alors le salut sera tien. Alors la grâce sera tienne de sorte que tu deviennes enfant de Dieu. Et la puissance qui est en Dieu, la puissance qui est en Dieu, tu pourras aussi l'avoir. Et lorsque tu auras invoqué le nom de Jésus, des miracles vont se produire, des mystères vont s'opérer, et il y aura des libérations. Nous allons lire dans Marc le chapitre 16, verset 16 à 17. Marc le chapitre 16, verset 16 à 17. Là, il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Bible avait américain la poésie. Et il y a un nouvel là de ne pas pouvoir assurer la masse. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Va amener que ma poésie là, ou à bout fouet. Amen. Amen. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bible abena, bon Dieu, a dit à mes yeux, continuez cela nous mais. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Les gens quoi mais, quoi n'importe. Ils parleront de nouvelles langues. Quoi tout abeille. Amen. Ouais c'est lui dit quoi. Alléluia. L'entend le Christ. Bien aimé en Christ. Ne le pas la croyez sous Dieu. Lorsqu'on dit avoir cru en Jésus. Ben Jésus-Christ n'est pas un fils. Que Jésus est enfant de Dieu. Jésus-Christ n'est pas un fils. Que Jésus est Dieu lui-même. Et que ma roulation depuis qu'on a
Tu dois alors te donner à lui par ce signe d'alliance. Que tu sois baptisé. Au nom de Jésus. Lorsqu'on te baptise au nom de Jésus, par cela tu entres en alliance avec Jésus. Du fait que tu entres en alliance avec Jésus dans la vérité. Alléluia. Amen. Alors, instantanément, sa puissance entrera en toi. Parce que tu l'aimes. Parce que tu as choisi l'adorer. Et tu me dis, quand son plus grand désir, c'est que tu ailles annoncer son histoire. Que tu ailles annoncer sa parole. Lorsque tu iras annoncer sa parole, où que tu ailles, la Bible dit, il y aura des signes qui te suivront, qui t'accompagneront. Des signes t'accompagneront. Lorsque tu auras pris l'engagement de commencer par travailler pour Dieu, par l'évangélisation, alors les miracles vont commencer par se produire par toi. Au nom de Jésus, les morts ressusciteront par toi. Les malades seront guéris par toi. Et ceux qui sont possédés par des démons seront libérés. Alléluia. Amen. Nous sommes les souverains quoi. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je dis qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mais avant d'invoquer ce nom pour une quelconque victoire, il faut être obéissant à Christ. Tu dois être celui-là qui accomplit la volonté de Christ. Et lorsque tu seras face aux situations difficiles, et lorsque tu auras invoqué ce nom, les miracles vont commencer par s'opérer dans ta vie. La victoire sera tienne. Bien-aimé en Christ, le nom de Jésus est doté de puissance. Il est écrit de ne pas invoquer vainement le nom de notre Dieu. Sache quand invoquer ce nom. Certains disent par le nom, quand on juge par le nom de Jésus ou par le nom de Dieu, que quelle chose est telle, mais en réalité c'est un mensonge. Lorsque tu seras dans des moments compliqués, parce que tu as invoqué ce nom et qu'ensuite tu as menti, lorsque tu seras dans la difficulté, lorsque tu auras invoqué ce nom, ce nom ne pourra plus être d'aucun bénéfice. Pour cela, sois obéissant à Christ. Accepte être un serviteur. Alléluia. Amen. Sois doux, sois savonné. Sacrifie-lui ta vie. Alors, la victoire sera tienne. Nous que traverses-tu en ce moment? Il est écrit dans Actes. Et ta âme tombe. Le chapitre 3, du 1er au 7e verset, la Bible dit que Jean et Pierre arrivaient devant la belle. Il y avait là un infirme. Il y avait un lépreux. Lorsque Pierre l'a observé, pendant que le lépreux infirme demandait à ce qu'on lui donne de l'aumône, Pierre lui l'a vu. Que celui n'en a pas besoin en fait d'aumône. Il a besoin de libération, de délivrance, d'une certaine puissance avec laquelle on peut aller travailler et avoir de l'argent. Et il lui a dit, au nom de Jésus, si Salomé la signe, je n'ai pas d'or ni d'argent. Mais au nom de Jésus, tu lève-toi et marche. Tu lève-toi et marche.
Je ne sais pas ce que tu traverses. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Toi qui traverses une situation difficile. Toi qui es malade. Toi qui es mort. Au nom de Jésus. Que la vie regagne ton corps. Parce qu'il est écrit. Lorsque Pierre a tenu l'infirme par la main, celui qui était paralysé, qui ne marchait pas, au nom de Jésus, s'est levé. Il s'est levé en même temps. Et il a commencé par marcher. Toi qui es paralysé spirituellement. Et ton étalage est paralysé. Ton foyer est paralysé. Ton utérus est paralysé. Tes activités sont paralysées. Ton adoration est paralysée. Toute ta vie est paralysée. Je prie en ta faveur. Je prie pour toi. Et je demande que la vie regagne ton corps. Que la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit que nous tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Alléluia. Amen. Ce nom de Jésus est doté de puissance. Je dis que ce nom fait des miracles. Et en ce nom, il y a des victoires. En ce nom, il y a des miracles. En ce nom, il y a la guérison. Ce nom est mystérieux. En ce nom, il y a des victoires. Jésus. Père, au nom de Jésus, c'est ici le moment que tu te révèles au monde entier, une femme, à un homme, à un jeune homme, à une jeune fille, pour que ces derniers reconnaissent que tu es Dieu. Bien-aimé en Christ, toi qui veux donner ta vie à Jésus, toi qui ce matin as écouté la parole de Dieu et tu as pris l'engagement d'entrer en alliance avec Jésus, qu'il faut que tu donnes ta vie à Christ de sorte que dans cette vie, pour que lorsque certains esprits et certaines puissances voudront te corrompre, au nom de Jésus, que tu puisses les vaincre. Si tu pries au nom de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des mystères qui s'opèrent. Tu n'as besoin de mettre que ce soit dans la poche. Tu n'as pas besoin d'avaler quelque chose. Si tu adores ce Dieu dans la sanctification et dans la pureté, si tu l'invoques, il va t'exaucer. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La victoire sera tienne. Jésus t'appelle ce matin. Jésus te lance un appel en ce moment. Ce que tu traverses, seul Jésus peut t'en sauver. L'Afrique. En Afrique, on dit que lorsque tu nais, il faut que tu naisses par toi-même à présent. Alléluia. Amen. Le Johannes pas dans l'état de toi-même. Dans Jacques, le chapitre 3, du 1er au 7e verset. Nicodème est allé voir Jésus. Lui demandant que faire pour bénéficier de ta vie éternelle. Tout ce que tu fais. Si